caca. De succès en succès. Donc, résume la situation au niveau du métro d'un pays aujourd'hui. Donc, Koolwin célébrait un autre succès du métro aujourd'hui, 5 millions de passagers pendant sa courte période de temps, puis nous commençons une nouvelle opération commerciale. Et en plus, je vous rappelle qu'il y en a deux lockdowns, malgré la difficulté causée par le Covid-19, le métro il continue de progresser, les travaux continuent de progresser, on augmente le nombre de voyageurs. Donc, chaque de ça, nous vivons pour une décision pour célébrer ce grand événement, 5 millions de passagers déjà. Il faut continuer comme ça. Donc, le métro, Mel, les bons consultants, le board du métro, le contacteur, beaucoup de garde-parole, beaucoup de target. Malheureusement, à cause du confinement, les travaux ont retardé, mais nous persister que jusqu'à la fin de l'année prochaine, le projet jusqu'à que pour compléter. Et moi, je devais connaître aussi, en cours de route, nous avons décidé l'extension de Vosil et Ben réduit. Les travaux ont commencé, l'étude a pu continuer, etc. Et ça aussi, nous pouvons espérer de vous compléter en même temps jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc, tout est en target. Moi, en tant que ministre, je réitère l'appréciation, remerciement vis-à-vis du gouvernement indien pour ce projet fantastique-là, qui fait un sens de l'espace urbain de l'île Maurice et qui fait un sens pour la ville, avec l'arrivée de l'urban terminal qui peut venir dans les trois dans un. Alors, certainement, le métro est prouvé qu'il y a un mode de transport qui vient adopté par la population de l'île Maurice, parce qu'il nous connaît bien à toutes les régions, du Clean, du CEP, du Reliable. Nous prenons aucun doute qu'il vous continue à acquérir sa popularité pour nous acquérir. Deuxième raison qui vient, nous là aujourd'hui, nous sommes là, nous lançons le premier billboard qui prend le tour de la gare. Du métro. Et évidemment, vous connaissez métro, elle est une entreprise commerciale, on nous a dit ça apparemment. Nous vous avons de toute façon qu'il est capable pour nous consolider la situation financière du métro. Donc, à part le fait que le billboard est un moyen pour nous capable de faire publicité, il est un moyen aussi pour nous capable de renflouer la tête du métro. Donc aujourd'hui, avec Alliance Media qui est le contracteur, le métro, l'aile, qui lance un nouveau bureau là, et à cause de ça, donc, il peut célébrer ces deux grands événements-là en même temps.